Oui, beaucoup de nuages sur les trois quarts de la France. C'est couvert de la Bretagne à l'Aquitaine en passant par les Pays de la Loire, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine et en redescendant vers la Bourgogne, la région centre, le Limousin. Beaucoup de nuages et parfois un petit peu de pluie hein, localement vers la Lorraine ou encore en Gironde. Un petit peu de vent aussi sur les côtes de la Manche. Les éclaircies sont réservées aux Alpes, à l'arrière-pays méditerranéen, au Massif central, aux Pyrénées, puis en remontant également hein, tout le long de la façade est vers l'Alsace, mais ça restera bien couvert près de la Méditerranée. Cet après-midi, peu de changements. Les nuages vont faire du surplace. On pourra avoir quelques éclaircies des Pays de la Loire au Nord-Pas-de-Calais en passant par la région parisienne. Et puis le ciel va se couvrir davantage de la Bretagne au Cotentin. C'est une nouvelle perturbation qui arrive. Et sinon, les températures, donc toujours douces? Oui, un peu moins qu'hier sous le soleil, mais tout de même, cet après-midi, la moyenne sera de 9 à 13 degrés au nord, de 13 à 17 degrés pour le sud. On est 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Et puis ce matin, c'est bien doux déjà. Hein, 13 degrés à Calvi, 11 à Biarritz, 10 degrés à Brest, 8 à Paris, 7 à Lille, mais aussi à Épinal, 6 à Mont-de-Marsan, 4 à Strasbourg. Les plus basses sont pour les vallées alpines, 0 degré à Grenoble ou encore moins 1 degré pour Chambéry. Merci beaucoup Céline Dacosta.